Je méditais sur ma condition, perdu dans le désert et menacé, nu entre le sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par trop de silence. Ici, je ne possédais plus rien au monde. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre le sable et les étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Et cependant, je me découvris plein de songes. Il était quelque part un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls, et une vieille maison que j'aimais. Peu importait qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma chair, ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe, il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa présence. Je n'étais plus ce corps échoué sur une grève, je ne logeais plus entre le sable et les étoiles, je ne recevais plus du désert qu'un message froid, et ce goût même d'éternité que j'avais cru tenir de lui, j'en découvrais maintenant l'origine. J'étais l'enfant de cette maison. Cette maison, une imposante demeure familiale, un château aujourd'hui vide et sans vie, à la sortie du petit village de Saint-Maurice-de-Rémence, dans les terres humides et vertes du Bugey, enracinées entre Lyon et les contreforts du Jura. C'est ici, à l'ombre de ce parc, derrière ces murs, qu'à chaque vacances, Antoine de Saint-Exupéry vécut ses plus beaux moments d'enfant, y inscrivit ses plus grands souvenirs d'hommes, d'écrivains, de voyageurs, d'humanistes, reliant les extrêmes du monde, tissant le lien entre la profondeur d'une campagne de France et l'étendue infinie des déserts. Le premier souvenir, c'est Antoine me suivant dans le parc avec une petite chaise verte. Et toutes les fois que je m'arrêtais, Antoine s'asseyait sur sa petite chaise et attendait que je reparte. Nous faisions comme ça tout le tour du parc. Ça se passait à Saint-Maurice-de-Rémence, la chère maison dont il parle toujours, c'est dans ses lettres. La maison était une maison sans style précis, mais agréable et spacieuse. Le parc était le paradis des enfants. À ce moment-là, ils étaient très inventifs. Ils formaient une petite tribu assez secrète. Ils avaient différents jeux. Il y avait entre autres le jeu du chevalier Alclin. Ça se passait dans les temps d'orage. Et quand le premier coup de tonnerre, la première goutte de pluie arrivait, celui qui recevait la goutte de pluie était sacré chevalier Alclin pour toute la journée. Dans la littérature, il y a peu d'exemples où la maison compte autant. Parce qu'évidemment, elle est chargée d'une grande force symbolique aussi. Et la maison, ce lieu, devient la demeure référentielle, en fait, dans un espace où on est un peu perdu. J'aurais même envie de dire entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Autour de la planète, où justement il y a cette symbolique de la petite planète du Petit Prince, où il va toujours par Mons et par Vaux, et la maison du coup fait racine dans son existence et dans son œuvre, et on la voit surgir à tout moment. Va se dessiner comme ça à Saint-Maurice tout un environnement dans le parc, dans la maison. Il y a des endroits clés comme ça qui vont complètement développer son imaginaire. Et quand il raconte cette histoire dans le vestibule où il va en aventurier alors que c'est l'heure d'aller se coucher, qu'il risque de se faire gronder, et il va en fraude, il a déjà un petit peu peur dans cette pénombre. Et là, ça lui ouvre en fait un espace immense. J'avais toujours craint ce vestibule à cause peut-être de la faible lampe qui, vers le centre, le tirait à peine de sa nuit, un signal plutôt qu'une lampe, à cause des hautes boiseries qui craquaient dans le silence. À cause aussi du froid. Mais ce soir-là, me voyant oublié, je cédais au démon du mal, me hissais sur la pointe des pieds jusqu'à la poignée de la porte, la poussais doucement, débouchais dans le vestibule et m'en fus, en fraude, explorer le monde. Il était sur un meuble qui était là-bas, et il s'était juché sur le meuble, un meuble qui était assez haut, que je connais, qui était encore dans la famille, un meuble qui était assez haut. Il s'était assis là-dessus, c'était le soir, c'était sombre, et toute la famille était au salon. Et puis il y a deux oncles qui sortent et qui se mettent à marcher. Alors là, ce qui fait penser à un pendule. Ils allaient, ils revenaient. J'étais bloqué sur ma console pour l'éternité, auditeur clandestin d'un conciliabule solennel au cours duquel mes deux oncles, qui savaient tout, collaboraient à la création du monde. La maison pouvait tenir encore 1000 ans. Deux oncles, 1000 années durant, battant le long du vestibule avec la lenteur d'un pendule d'horloge
continuerait d'y donner le goût de l'éternité. Antoine de Saint-Exupéry, le petit Tonio, comme on le surnomme, est né à Lyon le 29 juin 1900. Troisième enfant de Jean de Saint-Exupéry et de Marie de Fonce-Colombe, il grandit dans l'amour partagé de ses sœurs, Marie-Madeleine, Simone, Gabrielle et de son frère François, qui va mourir dans ses bras à l'âge de 14 ans. Leur père disparaît peu après leur naissance et c'est leur mère, seule et bienveillante, qui leur prodigue une éducation ouverte aux beautés du monde, dont la maison de Saint-Maurice, avec son parc et ses secrets, attise l'imaginaire. Ils étaient tous très joyeux, il y avait beaucoup de gaieté dans la maison. Ça, c'est l'ambiance créée par leur mère, par ma grand-mère. Malgré son veuvage, malgré les difficultés qu'elle avait ici à gérer cette propriété, elle avait beaucoup de joie. Elle avait une façon à elle de voir les choses qui était très particulière. Elle n'a jamais levé la main sur un de ses enfants. Peut-être qu'Antoine, très jeune, a reçu une fessée ou deux, mais comme j'en ai reçu d'ailleurs. Et voilà, mais c'est par persuasion, par l'exemple. Et en même temps, comme elle était très artiste, elle leur inculquait des notions de dessin, la musique par exemple aussi, le chant, et dont j'ai bénéficié après, de ma génération. Presque tous jouaient d'un instrument de musique, mais ma mère jouait du piano. Antoine avait fait du violon. Mais il faut dire qu'Antoine avait aussi une imagination fertile dès très jeune et qu'il a commencé à écrire des lettres à sa mère très jeune ou à d'autres personnes et avec beaucoup d'imagination. Le Mans, 11 juin 1910. Ma chère maman, je me suis fait un stylographe. Je vous écris avec. Il va très bien. Demain, c'est ma fête. L'oncle Emmanuel a dit qu'il me donnerait une montre pour ma fête. Alors, est-ce que vous pourrez lui écrire que demain, c'est ma fête? Il y a un pèlerinage jeudi à Notre-Dame-du-Chêne. Je vais avec le collège. Il fait très mauvais temps. Il pleut tout le temps. Je me suis fait un très joli hôtel avec tous les cadeaux que l'on m'a donnés. Adieu. Maman chérie, je voudrais bien vous revoir. Antoine. Sa première lettre, qui est certainement un encouragement pour tous les écoliers, vu les nombreuses fautes des orthographes, il négligeait de gaieté de cœur tout ce qui ne lui plaisait pas. C'est-à-dire, il n'aimait que la littérature et détestait l'histoire et la géographie. Déjà à l'âge de 6 ans, il tapait sur ses frères et sœurs pour les forcer à écouter ses vers, quand il n'avait pas de disposition à les entendre. Sa mère, pour lui, était la femme idéale, si vous voulez. La personne qui a dirigé sa vie, qui a influé sur sa vie jusqu'à l'âge, passé l'adolescence, et même après, mais de façon différente. C'est assez frappant d'ailleurs. On finit par se demander si son père lui a manqué, on ne sait pas. Je ne pense pas. Il était excessivement vivant, sensible, assez insupportable, mais alors d'une sensibilité extrême. Alors, de ce point de vue-là, il était facile à élever. Ils avaient inventé une bicyclette à voile. On avait demandé à la vieille gouvernante de fabriquer une voile avec un drap de lit. On avait fixé cette voile à la bicyclette et on s'est lancé à toute allure, vers la fin du parc. Et il paraît qu'au bout du parc, la bicyclette s'envolait dans les airs. Ça, c'était la première expérience d'aviation. En fait, il l'a pensé très tôt parce que sa première expérience d'aviation s'est faite à Ambérieu, n'est-ce pas, à quelques kilomètres de nous. Et Antoine a trouvé le moyen de voler à l'âge de 10 ans. Un jour, je vois arriver un jeune homme, un enfant, qui me déclare, je suis Antoine de Saint-Exupéry. J'ai dit, monsieur, maman m'autorise à prendre votre thème de l'air. Alors je lui dis, mais c'est bien vrai ce mensonge? Oh, il me dit, oui monsieur, je vous assure. Il était tellement sincère qu'on l'installe dans l'avion. Ils font un tour ou deux ou trois du terrain. Et quand il s'est posé, cet enfant me paraissait tellement enthousiasmé qu'il en était transfiguré. Et vous avez pensé qu'il serait pilote?
Ah oui, oh ben là, certainement, c'était la naissance d'une vocation. Antoine de Saint-Exupéry sera donc aviateur, un homme du ciel. Mais ce premier vol, à Ambérieu, en Bugey, annonce aussi une autre vocation, celle des lettres. À peine a-t-il atterri qu'il écrit ces mots. Les ailes frémissaient sous le souffle du soir, le moteur de son chant berçait l'âme endormie, le soleil nous frôlait de sa couleur pâle. Antoine a tout juste 12 ans, il sera écrivain. 1921, Antoine de Saint-Exupéry obtient son brevet de pilote civil et militaire. Son rêve d'enfant, quand il posait des ailes à sa bicyclette et tentait de prendre les airs dans le parc de Saint-Maurice, est enfin réalisé. Voler est le sens de sa vie, dit-il, le souffle vital de son inspiration, l'étincelle de sa première nouvelle, L'Aviateur, publiée en 1926, alors qu'il rejoint la compagnie d'aviation Latécoère pour assurer le transport du courrier vers Dakar. Posté à Cap Juby, dans le sud marocain, Antoine de Saint-Exupéry fait l'expérience de la solitude, aussi profonde que le désert qui l'entoure est vaste, vide et silencieux. Loin, très loin des collines boisées et des rivières de son enfance. Moi, je pense que ce sont les difficultés de sa vie de pilote, des difficultés nombreuses qui ont consisté dans l'isolement du Cap Juby, dans ses raids dans le désert pour sauver les camarades, qui l'ont trempé, n'est-ce pas, comme homme. La période la plus dure de sa vie, à ce point de vue-là, c'est le Cap Juby, où il a été 2 ans comme chef d'aéroplace, n'ayant comme contact humain que le retour des camarades qui venaient dormir, parce qu'ils étaient vannés, n'est-ce pas, en arrivant de Port-Étienne. Alors là, ça a été en somme le silence absolu pendant 2 ans. Les camarades qui l'ont précédé sont devenus fous et ont dû être remplacés. Et alors, je crois que c'est là ce qu'a pu tremper Antoine. Et d'ailleurs, pour lutter contre ce silence, c'est là qu'il s'est mis à écrire. Ma petite maman, asseyez-vous sous un pommier en fleurs, puisqu'on nous dit qu'ils fleurissent en France, et regardez bien pour moi autour de vous. Ce doit être vert et charmant, et il y a de l'herbe. Le vert me manque, le vert est une nourriture morale, le vert entretient la douceur des manières et la quiétude de l'âme. Supprimez cette couleur de la vie, vous deviendrez vite sec et mauvais. Moi, quand je rencontre un arbuste, j'arrache quelques feuilles et les enfouis dans ma poche. Puis, dans la chambrée, je les regarde avec amour, je les retourne tout doucement. Cela me fait du bien. Je voudrais revoir votre pays où tout est vert. Donc cette maison va cristalliser toute la partie la plus intime et la plus forte chez lui de ce qui est stable, parce que les coutumes sont respectées, parce que les choses se répètent. Et en même temps, cette répétition, c'est angoissant. Donc, il a besoin de fuir, dit-il dans Courrier Sud. C'est une consécration. Le premier roman d'Antoine de Saint-Exupéry, Courrier Sud, écrit à Cap Juby, est publié avec la préface d'André Gide en 1929. Mais l'appel du lointain est plus fort que les honneurs. Antoine repart le long des routes du ciel vers l'Amérique du Sud, cette fois, habité d'une conscience que, dit-il, seuls l'écrivain et l'aviateur réunis peuvent faire vivre.